young at heart, but we're still dreaming eyes wide open. Eh ben alors les frérots, est-ce que cet endroit ça vous dirait pas quelque chose là? C'est quand même pas incroyable ce qui se passe les amis. Bonjour, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui les amis, vous reconnaissez, voilà, plein de nostalgie. On se retrouve sur la map de Madventure saison 1 alias le monde de M'Kolo. Donc là évidemment je suis en créatif puisque c'est une map en mode créatif maintenant, ça y est c'est fini. Et je suis super excité de vous retrouver pour cette vidéo. Vous allez enfin, voilà, ça y est, le monde vous appartient. Vous allez pouvoir télécharger la map et l'explorer de fond en comble. Pour vous expliquer vite fait, donc je vous mets en description, je vais vous faire un petit tuto juste après comment télécharger la map, mais en gros quand vous arriverez sur la map vous spawnerez juste ici avec un petit coffre pour vous souhaiter la bienvenue. Et ici voilà, vous pouvez vous mettre en game mode survival, créatif ou spectateur, c'est comme vous le souhaitez. Et surtout petite surprise également, du coup ouais, en fait vous n'avez pas accès aux permissions, donc je fais open to land, tac tac, très important. Vous pouvez vous TP, voilà, j'ai mis des command blocks, se téléporter à la toute première base. Si vous cliquez dessus, vous pourrez explorer ma toute première base, donc qui est détruite, mais voilà. À la base, voilà, c'était en 2016 encore, même 2017. Non, 2017, je m'étais installé dans le nouvel endroit, mais voilà, ça date de 2016, donc vous pourrez revenir ici. Là, vous pouvez cliquer sur le bouton pour revenir à l'endroit principal finalement, et vous pouvez même revenir au tout début de l'aventure, là où j'ai commencé, là où le monde a été créé, pour ceux qui s'en rappellent. Donc là, c'est hashtag épisode 1 de la série Le Monde de M'Kolo. Donc voilà, je vous ai fait ça, et du coup, bah, je vous propose enfin cette map. Alors avant de vous expliquer vite fait comment télécharger la map, je pense que déjà vous pouvez déjà quitter la vidéo pour ceux qui le savent, mais avant, j'aimerais juste vous expliquer pourquoi j'ai pris autant de temps avant de prendre cette décision de vous donner la map. Je vais vous parler un petit peu de tout ça. Sachez juste que évidemment, ce qui va être cool, c'est que vous allez vraiment, je pense, découvrir des secrets, hein, puisque là, vous pouvez vous mettre en game mode spectateur, aller où vous voulez, donc vous retracez un peu les histoires, un peu de nostalgie, mais vous allez, je pense, découvrir des endroits que vous avez encore jamais vus, parce que quand même, à la fin de la série, j'ai fait beaucoup de... Enfin, j'ai fait quelques constructions que j'avais pas montré en vidéo parce que voilà, M'Adventure, ça me saoulait un petit peu et j'avais quand même fait des constructions mais pas en vidéo quoi. Donc pourquoi j'ai pris autant de temps les amis à prendre cette décision? On est quand même en 2020, la série elle s'est finie l'année dernière. Et puis ça fait depuis un moment vous demandiez, voilà, ça fait quand même des années que vous me demandiez est-ce qu'on pourrait avoir la map s'il te plaît, est-ce que quand tu termineras la série on pourra avoir la map, etc. Et en fait je vous avais toujours dit non. Pourquoi? Eh ben c'est pas contre vous, parce qu'en réalité ce que je voulais faire, j'avais un projet qui n'a jamais abouti, d'accord. J'avais comme projet de vous créer une map, d'accord, une map puzzle, voilà, c'est comme ça qu'on appelle finalement. Non, une map mini-jeu, voilà, c'est ça. Une map mini-jeu, justement, sur cette carte. En fait, c'est en vrai, c'est un super projet, mais évidemment, voilà, ça n'a pas pu aboutir, j'avais pas le temps. Très clairement, depuis le temps. Donc, et puis en plus, c'est colossal. Enfin, la map, elle est gigantesque, en vrai, vous voyez très bien. En gros, ce que je voulais faire, c'était vraiment vous faire des mini-jeux. Genre un parcours, genre tout un parcours sur ce monde. Également dédoubler le monde pour faire, je sais pas, une arène PVP. Je voulais faire quoi? Donc du parcours, du PVP, des quiz aussi, voilà, des quiz avec des questions-réponses. Si vous avez faux, vous mourrez, etc. Enfin voilà. En gros, je voulais vraiment vous faire une map mini-jeu sur cette carte, en fait, vous voyez? Voilà, j'ai jamais pu le faire, j'étais un petit peu dégoûté. Et entre temps, bah voilà, l'idée elle était complètement partie, en fait. Et du coup là il y a quelques temps je me suis rappelé que c'est vrai que ben en vrai ça pourrait être sympa de vous donner la map maintenant. Donc voilà, je vous la donne enfin. Voilà, donc je vous rappelle que toute cette map, je n'ai pas été le seul à la construire, à la base c'est moi, sur 50 épisodes à peu près, un petit peu moins, mais voilà, les 50 premiers épisodes j'étais plus ou moins seul, et puis c'est après que c'est commencé, que ça a commencé à devenir une série multijoueur. Donc je rappelle Créo, BXNO, Anaïs, Toonfu qui est passé par là, Dragon Alpha, Seriac, bon ils ont pas construit grand chose mais ils étaient là, donc voilà, on ne les oublie pas. Et donc voilà, ça me fait plutôt plaisir. Maintenant place au tutoriel, let's go. Alors comment télécharger la map? Donc rien de plus simple, je vous mettrai le lien directement en description qui va vous mener sur cette page si jamais. Donc pour y accéder c'est directement sur mon site mcolo.fr, dans l'onglet map. Alors en haut vous avez accueil, vidéo, bonus, article, il y aura un dossier map qui sera juste ici, donc pour moi il
voyez pas encore au moment où je fais cette vidéo, mais voilà, au moment où la vidéo sortira, il y aura le dossier map. Mais dans tous les cas, je mettrai en description directement le lien pour mener à cette page. Donc voilà, map Madventure saison 1. Et donc rien de plus simple, vous cliquez ici sur télécharger, ça va vous mener sur cette page Mediafire. Donc n'ayez pas peur, hein, après Mediafire, le problème c'est qu'il y a beaucoup de pubs à chaque fois. Donc vous cliquez sur download, à tous les coups, non, ça m'a même pas ouvert de trucs bizarres ou quoi. Ça vous télécharge la map. Alors elle est normalement elle est lourde, hein. En vrai, elle est quand même vachement lourde avec tout ce qu'on a fait, donc ça risque de prendre pas mal de temps. Du coup, bah, je vais mettre pause et je vais chercher ma sauvegarde parce que c'est long. Voilà, une fois que vous aurez donc téléchargé après une demi-heure ou peut-être plus ou peut-être moins, je sais pas, en vrai ça se peut, c'est peut-être ma connexion là. Vous aurez du coup ce fichier donc en point rare en fait. Donc il faut que vous ayez une rare évidemment, c'est le mieux à faire. Vous avez juste en fait à extraire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce qu'il y a à l'intérieur en fait c'est super simple. Hop, comme toutes les autres maps, bah en fait c'est juste un dossier. Donc vous pouvez vérifier si vous ouvrez ce dossier. Voilà, vous voyez advancement, data, data packs. Donc tout ça, c'est tout ce qui fait la map en fait. Du coup c'est vraiment ça qui va nous intéresser. Et c'est ça que vous allez mettre dans votre dossier saves de votre point Minecraft. Donc vous savez comment y aller je pense. Vous faites Windows R pour ceux qui sont sur Windows. % appdata, % vous allez dans le dossier point Minecraft. Ensuite dans le dossier saves. Et c'est ici en fait que vous allez mettre le dossier, le monde de Mkolo. Hop, vous le glissez dedans. Ça va le copier. Et une fois que c'est bon, bah vous lancez Minecraft. Alors, il faut par contre évidemment que vous soyez sur PC, Java Edition, voilà. Alors on s'en fout hein, si c'est une version craquée ou une version premium, ça fonctionne hein, puisque c'est une map solo. Et donc je vous recommande la version 1.15.2 ou alors une version au-dessus, mais pas en dessous de la 1.15.2, sinon ce sera problématique. Donc vraiment 1.15.2 ou au-dessus. Single player, et donc là vous avez la map ici, Play Selected World, et vous vous retrouvez sur le monde incroyable qui est Madventure alias le monde de Mkolo que je vous ai présenté juste avant. Et voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Voilà, petite surprise du dimanche hein, comme on dit. Et bien on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos les amis, hein, on va pas perdre plus de temps. C'était Mkolo, des bisous, ciao ciao tout le monde.